Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de la Birch Box du mois de mai que j'ai déjà reçue. Je vous avoue que je suis en retard sur les vidéos en ce moment, je dois vous poster un vlog, je dois vous poster la Dégustabox aussi. Je n'ai pas forcément le temps de les monter surtout. Donc là je vous fais vite vite une vidéo sur la Birch Box du mois de mai que j'ai reçue aujourd'hui, on est le 2 mai. Donc elle est arrivée super vite et franchement elle est trop mignonne. Ce mois-ci, Birch Box s'associe à Levi's. Et regardez la petite boîte, elle est trop mignonne. Elle est couleur bordeaux, donc comme le logo de Levi's. Et elle est façon un peu de jean sur cela. Et ils ont marqué des consignes, genre démaquillage à la main, sèche-cheveux autorisé. Enfin, c'est super humoristique et super mignon. Donc, qu'est-ce que j'ai dans cette Birch Box avec Levi's? Donc, j'ai d'abord un petit bandana. Comme ceci, qui est super mignon. Je ne mets pas forcément ces trucs-là, mais voilà, ça peut servir. Comme sur la photo, ils nous disent de le mettre comme ça. Je sais pas à quoi je ressemble. Donc, à part ceci qui me va absolument pas, j'ai reçu. Alors, il y avait un petit shampoing sec de la marque Clorane qui est plutôt sympathique. Ça, ça sert toujours, surtout pour les enfants. Parce que moi, j'aime bien me laver les cheveux. J'aime pas trop le shampoing sec. Mais ça, c'est plutôt pas mal. J'aime bien en tester quelques-uns souvent. Donc, c'est la marque Clorane. C'est. Estradou tout type de cheveux. Toi les cheveux sans les mouiller. Au lait d'avoine. Ça c'est plutôt sympa. Ensuite on avait une eau extraordinaire de rose. Alors ça je vous avoue que j'aime pas trop parce que l'odeur de la rose, je suis pas fan. Mais bon, on testera aussi. Donc ça, qu'est-ce que ça fait ça? C'est une lotion sérum bio, c'est une vraie mine d'or. Sur sa peau, elle a une action revitalisante, hydratante et anti-âge. C'est un repulpe. Lotion sérum repulpant. Matin et soir sur le visage démaquillé à l'aide d'un coton. Plutôt à tester. Donc c'est la marque Belvita. Ça coûte 13,60€ en grand format. Et là, le shampoing, premier goût, il n'y a pas le prix. Donc ensuite. Produit suivant, qu'est-ce que j'ai reçu? Ah oui, j'ai reçu une miniature, je pense, de mascara. Et ça, c'est plutôt sympa parce qu'on ne reçoit jamais de mascara. Et ça, c'est le Pump Volumisateur Mascara de la marque Douce. Donc, je pense que c'est une miniature. Et le grand, il fait 22,95€. J'aime beaucoup tester les mascaras. Voilà, donc ça, c'est un volumisateur. Ça forme une crémeuse longue tenue qui résiste à tout. Ah, une boîte à trop. Et dernier petit produit que j'ai reçu dans cette Birch Box de mai, c'est ça, je suis... C'est une crème solaire visage, on ne savait pas qu'il y avait des crèmes solaires pour le visage. Donc ça protège et en même temps ça accélère le bronzage. C'est de la marque Mimitica, je ne connaissais pas du tout. C'est un indice 50. Booster de mélanine pour un bronzage lumineux et durable, mais ça se met que sur le visage. Et ça protège en même temps. Donc franchement, cette petite box, elle est trop mignonne parce qu'il y a que des produits que je ne connais pas et que je vais pouvoir tester. Voilà, et ça, je pense que ça ira à Luna. Elle va aimer ça. Voilà, je vous dis à une prochaine box. J'ai pas calculé le montant de la box, je suis désolée, mais ils mettent plus les prix en fait. Avant, ils mettaient les prix de tous les produits, mais maintenant, ils les mettent moins. Ouais. Voilà, je vous dis à une prochaine box. Au revoir.